Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 9 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de l'Ille-et-Vilaine. Première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h55. Cette compétition ouverte aux candidats européens s'annonce une fois encore extrêmement disputée. Même si nous prenons le pari de faire confiance aux chevaux bien placés derrière la voiture, sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, tout demeure possible, notamment si les leaders vont trop vite en descendant. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 2, Excel d'Amour. Pensionnaire de Sébastien Garato, ce fils de Quakerjet vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome de Pontchâteau. S'il répète cette performance, il peut logiquement espérer conclure à l'une des trois premières places. En deuxième choix, le numéro 1, Fiesta du Belvert. Benjamin Rochard est aux commandes de cette femelle entraînée par la famille Chauvin, qui a bien gagné il y a trois courses de cela et qui se présente cette fois-ci déféré des quatre pieds dans l'espoir de renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Eva de Guérigny. Mathieu Brivard l'entraîne, la pilote, l'aime beaucoup et pense que cette fille de prodigieuse doit encore une fois terminer dans les 5 premiers. En quatrième position viendra le numéro 4, Fakir de Mahé. Mathieu Mottier est très confiant avant coup et pense que son cheval, en étant plaqué devant et derrière, peut rester sage et fournir une belle valeur à l'arrivée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Frégate Méloise. Alexis Colette est aux commandes de cette pensionnaire de Pierre Béloche qui a tout pour faire une belle performance aujourd'hui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Europa de Chenu. Alternant le trot monté et le trot attelé avec brio, elle revient à l'attelage avec l'aide de Louis Baudouin, dans l'espoir de terminer parmi les quatre. En avant-dernier choix, le numéro 8, Cépage des Ulmes. Âgé de 10 ans, ce vieux tonton donnera encore le meilleur de lui-même pour accrocher une belle place à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Foxtrot Noblesse. Sur une ancienne valeur, s'il est décidé et qu'il donne son maximum en compétition, il peut espérer accrocher la cinquième place. En cas de non partant, le numéro 15, Écho de l'Arrêt, qui sera pilote de circonstance par un certain Éric Raffin, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de très nombreux coups de cœur à la gagne tout au long de la journée. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.